Quand elle était, pas oublié. Avec ce organe, Akbar Melfoua, c'est le plus volumineux. C'est l'organe le plus volumineux de tous les organes existants qui a l'équipement enzymatique le plus large. On parle de Melfoua. On s'amène à un processus biochimique existant dans une cellule. Il n'y a pas un processus que les cellules exécute que le foie ne le fait pas. Le foie est capable de tout faire, et de faire ce que les cellules ne peuvent pas le faire. Sauf, peut-être, si quelque chose à dire, c'est l'acétolyse. L'acétolyse périphérique, en fait, c'est un cadeau offert par le foie pour tous les tissus. Il est trop tramon, cétogenèse épidoire. La cétogenèse est un processus exclusivement hépatique et c'est un cadeau offert par le foie en matière de corps cétonique pour tous les tissus périphériques. Et donc, lui, il ne va pas utiliser ce cadeau-là. Donc, il ne va pas avoir le processus. Le processus de cétolyse ne se fait pas dans le foie. Bon. Donc, s'il y a quelque chose, peut-être que le foie va envier le rein, il y a une régénération du micro. Mais sinon, il dit, c'est l'organe à tout faire. C'est pour ça qu'on parle de fonctions spécifiques. Donc le foie est doté de fonctions spécifiques. C'est-à-dire, ces fonctions, c'est le seul à savoir à exécuter par rapport aux autres cellules, bien sûr. Je connais les fonctions spécifiques. Il y aura des fonctions de stockage spécifiques, des fonctions de synthèse spécifiques et des fonctions de détoxification spécifiques. Donc les cellules ne peuvent pas le faire. Oui, donc on va s'adresser à ces processus-là, en fait, qui fait la spécificité de cet objet. D'ailleurs, la détoxification, ça permet de désactiver, des produits endogènes et exogènes. Endogènes, principalement, l'ammoniaque. Donc, c'est seul le foie qui est capable de transformer l'ammoniaque en urine. Donc les tissus ne savent pas contrôler l'ammoniaque. Il est très toxique, ils ne savent pas le contrôler. Et puisqu'ils ne savent pas contrôler l'ammoniaque, ils ne savent pas désaminer. Donc, acide aminé en excès, il est à mal de désamination. L'ammoniaque dans la cellule, ça c'est grave. Donc ils ne vont pas le faire. Donc, dans la chambre, à amener une acrobatie des cellules pour se débarrasser de l'excès d'acide aminé, ils font une transamination. Transamination est à Ibarra, il y a l'excès d'ammoniaque sous une forme cachée. Sous une forme d'exco cachée, je connais le rassoul des cellules en matière d'excès d'ammoniaque, il y a la glutamine. La glutamine est une charge azotée en excès vers le foie essentiellement. Ou même si c'est de la rein pour faire l'équilibre acido-basique entre autres. Donc la glutamine est un acide aminé fortement chargé en ammoniaque. Il y a un stade de bas d'acide glutamique et qui exporte l'ammoniaque en excès par le phénomène de transamination. Alors que le phénomène de désamination, il est supporté par quelle enzyme? Par la glutamate déshydrogénase. Donc, nous avons une glutamate déshydrogénase qui est l'ammoniaque libre. Donc, c'est l'ammoniaque libre dans la cellule, le foie prend, c'est le prendre en charge l'ammoniaque. Dans la cellule, donc c'est grave. C'est pourquoi il n'y a pas de glutamate déshydrogénase dans le tissu. Donc, il y a des exemples. Exemple de l'exogène, par exemple, bien sûr, elle va désactiver également les hormones. Les immunoglobulines, les hormones sont désactivées.
Donc, plusieurs fonctions de d'épuration, si vous voulez, de désactivation. Exogène, l'exemple type, c'est du médicament et surtout l'alcool. Donc, l'alcool est principalement détoxifié au niveau du foie. La dernière fonction, c'est une fonction, quoi ? Spécifique. L'excrétion de la bile. L'excrétion de la bile. Il y a même un organe qui ce produit qui est la bile. C'est seul le foie qui connaît le secret de l'excrétion de la bile. La pathologie hépatique. La pathologie hépatique, on reconnaît deux volets. Le volet aigu et le volet chronique. Le volume aigu, le volet, pardon, aigu, ça veut dire quoi? Une pathologie hépatique aiguë. Ça se passe, il y a une altération qui survient de façon aiguë au niveau des hépatocytes. Mais le synonyme de la pathologie aiguë, c'est quoi? C'est ça se passe sur un foie sain. C'est des caractéristiques d'une pathologie aiguë. Donc, il a une forte régénération. La nécrose hépatocytaire n'est pas grave. Ce n'est pas la nécrose myocardique ou la cérébrale, où il n'y a pas de marche arrière. Donc le foie, il fatigue le col, trafchali. Il est capable d'assurer une régénération puissante. Nim, chnou nkhaf? Nkhaf telhaq ala al rism métabolique ou la tahkach. Il y aura des complications métaboliques aiguës. Si vous avez, vous pouvez les gérer, ça va passer. Ça va passer et tout rentrera dans l'ordre. Mais si les complications métaboliques l'emportent, le patient décède. Donc, course contre la montre par rapport à ces processus métaboliques. Qu'est-ce que j'entends par processus métabolique, on dit? Alors, chef de file, les troubles hémorragiques. Les troubles hémorragiques. Ils montent, et TP, ils montent. Le TP qui est incoagulable, le temps de QI qui est incoagulable, ça y est, il a mis un tatiche PFC, il va mourir par l'hémorragie. Ou pas, j'ai un régime immunitaire. Qu'est-ce que c'est? Bel coma ammoniaque. Le coma hépatique. C'est un régime immunitaire. C'est un régime immunitaire. Donc, si vous n'arrivez pas à les juguler, c'est mortel. Le chocolat, il est pour que c'est pas grave, on va le perfuser. C'est pas grave. Mais si on a le coma hépatique, c'est grave. بينما الباثولوجي كرونيك فيها ان برونوستيك دونك لا باثولوجي كرونيك سا veut dire qu'il y aura une atteinte chronique. Il y aura ce qu'on appelle une hépatite chronique qui va donc traîner des années et des années. ونجم حتى الباسيون ما يفيبلوش بروحه وما يفيبلوش بروحه حتى يوصل للستاد السيروز وما يعرفش روحه. Sérotique méconnue. Il a matamal par hasard pour une cause ou une autre, une EPP, ça passe inaperçu. Il fait qu'on un bon jour, on fait du rôle de dame, ou alors c'est une mère acide. Bien sûr. Maman short la cirrhose. En 20 ans, okay. Il vit un beau jour avec une acide. Ah, oh, acide. Oh. Mais la cirrhose. Chan, comment dis-je? Chan. Donc, il traîne une hépatite chronique des années méconnues. L'amour l'aime chez Atadam, la hâte pas dans l'hépatite B, la hâte pas dans l'hépatite C, éventuellement. La hâte pas dans CBP, cirrhose biliaire primitive, surtout l'apanage des femmes. Je suis un peu plus de bilan. Je suis un peu plus de bilan. Et donc,
معناها ça va être une révélation. Donc cirrhose adresse beaucoup de questions, ce qui définit ce qu'on appelle l'état de quoi? De tableau de cirrhose. Compensé. Il reste toujours compensé. Et un beau jour, ça décompense. Ou maintenant que l'art d'Alika, c'est notre officier qui a été ça. Parce qu'une fois ça a été déclenché, ça veut dire qu'on est dans un tableau de quoi? De cirrhose compensée. On est dans un tableau d'hypertension portale sévère. Après, ce temps, mais c'est que l'hypertension portale devient sévère. Ou bien tu as les chantes, ou bien tu as les varices aux ovagiennes. Et donc, d'où les matérises. Donc, la cirrhose, elle est généralement, mais vous à laquelle en parallèle, ça fait qu'il y a une insuffisance hépatocellulaire. Bien sûr, quand le médecin détermine, il est dans un tableau d'insuffisance hépatocellulaire. Libre de cirrhotique, il a une insuffisance hépatocellulaire qui reste compensée, qui reste très bien tolérée. Le foie khalba, l'architecture désorganisée, et il continue à travailler. Menechfekhi. Au stade, bien sûr, ça sera terminal, c'est ça qui fait tout le pronostic de la maladie. À défaut d'une greffe, c'est le décès. Un greffe hépatique, c'est fini. Voilà. Ou, comme je dis, on va faire le zizikam, comme je dis, enfoncer le clou par quoi? Par le carcinome hépatocellulaire. C'est lui qui va encore enfoncer le pronostic. Et le carcinome ne se greffe jamais sur un foie sain. Se greffe toujours sur un foie malade. Et il y a des délire qu'il y a à l'échelon. Foie très puissant. Il ne se laisse jamais cancériser. On sait que tous les tissus se cancérisent. Il n'est pas une cancérisation de n'importe quel tissu. Il faut aller. Il a essayé, il se laisse pas. Très costaud. Il a une défense miraculeuse contre un processus cancérigène. Mais il n'est pas salé. Architecture, ça va. Il n'y a pas de cancer. Il se laisse ici. Ça, c'est un volet important. Bien sûr, sur un poisson, on va observer les métastases. Un jour, c'est pas lui. C'est un foie qu'on appelle secondaire. Cancer du côlon, tamalicotrophie. C'est métastatique, là. C'est pas un carcinome hépatocellulaire. La biologie, elle va intervenir pour évaluer les fonctions de synthèse, les anomalies de parenchyme, évaluer la fibrose, la cirrhose, et tout récemment, les greffes hépatiques, la surveillance du greffant. Vous êtes tout le monde qui est là, mais pour obtenir une greffe, il faut faire des dysfonctionnements rapidement. Donc, on doit juste aller au stade avancé du rejet du greffant. Il faut donc guetter rapidement le rejet. Les objectifs. Les rapports anatomiques du foie. J'aime bien, certes, je te fais un peu la pathologie. Donc, les rapports anatomiques du foie, marchent essentiellement. Ma, la veine porte. Donc, il contracte des rapports avec la veine porte. Vous les rapports du foie avec la veine porte, lorsque le foie devient pathologique, malade, sérotique, il va influer la veine porte et il y aura une hypertension portale. Laquelle va retentir sur qui? Trois raisons. Chnoum. La veine splénique qui se draine dans la veine porte. Je vous rappelle qu'il s'agit ici du tronc spléno-misraïque. La veine porte n'est autre que l'abouchement de la veine splénique mais la veine mésentérique. D'où un signe qui n'échappe jamais. La spléno-mégalie. Mais les veines épiploïques, marboutines par le vein porte. Donc le drainage veineux de l'épiplan, il saute par le vein porte. Donc,
Hypertension portale, la veine splénique masso. Engorgement. Les veines pubiques mais sont gauches. Retour veineux. L'acide. Donc l'acide, c'est une acide de quel type? C'est une acide mécanique. C'est une acide transudative. Ce n'est pas une acide exudative infectieuse ou à la métastatique. Ce n'est pas un cancer de l'ovaire. Ce n'est pas une tuberculose. C'est une acide mécanique. Transudative. Ou peut-être l'anastomose portocarpe. L'anastomose portocarpe, halal. Bon, je vous dis, nous, ça sacré. Et voilà qui m'a soudé à mes. حبت نفسه يتعب تحل اللي كوندوي الاخرين وتفيد الدنيا هكا ولا لا لا ناس تو موس بورتوكال في الواد يحل نفسه في فضاري جماعه اللي بحال الواد لا ناس تو موس بورتوكال دونك سافي دي كوا سافي دي دو شوز واحده يمكن تعرفوها واحده ما كومش باش تجيبوها اللي تعرفوها شنو اللي هي لا ولا مش معنى مش معنى انا شنو كورولير ولا انا فتموس فورتوكار ليه ما تيميز ليه باريس وزوفاجين مش يتحل دونك ليه باريس وزوفاجين هما ستيغمات هما ديكسبرسيون سي انا فتموس فورتوكار بوفي دونك ليه ما تيميز ليمورجي جيستي وهذا والثانية شكون؟ هاكم شفتوها سي لي زاناستوموس بورتوكاف سافا دير كوا؟ بوزالي شانتي شانتي كي؟ شانتي لا فين بورت ما ثم حتى مولكيول دامونياك qui prend naissance dans le tube digestif essentiellement une flore bactérienne. Tu as dit à l'hépatocyte ou ça y va. Il peut y avoir une plus grande chienne de l'hépatocyte. L'hépatocyte est une chienne. Je suis très content. Il est sérotique. Et malgré la cirrhose, il dit que الامونياك والله لا يتعدى لها الامونياك اما كيك شنتين في داري على جنب المونياك شنتين قصير قصه روحك اما هو وعلى ضعف وعلى تتسيروز ويقول لك والله لا تتعدى الديوانه نشدك وما نخليكش تتعدى وهو مسكين هاك هذا باش يوريك شنو باش نشوفه خاطر من بعد في لي فونكسيون اللي باش تبدا تطيح في الفوا الامونياك خط احمر ما يلعبش بيه الفوا خط احمر دونك اون فيت لو كوما هيباتيك امونياكا il s'explique en grande partie par le chien اوكي au stade terminal je crois يرخ الفوا ما عادش قادر تعمل الوري او به لكن هذه ملاحظات لاكونيه يمكن مش من الاول Donc, il va préserver cette fonction métabolique liée à l'uriogenèse. L'uriogenèse sera respectée au stade ultime du foie. Ou une fonction autre, tu as vu. Tu as vu que le il est un peu de temps. La glycémie, l'air, l'axe. La glycémie, qui est. Les hypoglycémies font des hypoglycémies, c'est pas sûr. Parce qu'il ne faut pas dire que je n'ai pas efficace. Donc, le foie a plusieurs fonctions aux chevaux. Je ne sais pas si je suis. Je ne peux pas assurer tout. Je ne sais pas si je suis. Je ne sais pas si je suis. Je ne sais pas si je suis. Je ne sais pas si je بروتين دي كواغيلاسيون ضحي بها سانتيز دو لابيل ترخي برشا حاجات باش ترخي ديتوكسيفيكاسيون دي زورغانيت دي كومبوزي ضحي بها كانك سوكيرجي تخ على راسك سيروتيك سيروتيك وتشرب شراب تاع
تعمل انتوكسيكاسيون الكوليك فما هذوما شيخ باش يدون قلنا اليوريوجينيز فما حاجه يرخي يرخي لا هيبوكوليستيروليمي كي تعمل بيلون تلقاه هو كومبونسي كاريمون لا سانتيز دي نيكليوتيد لا بيرينو سانتيز دو نوفو الله اكبر شد الى لحظات الموت لا بيرينو سانتيز دو نوفو لان وراها الحياه وراها الاي ام بي والجي ام بي تلعب انا الممول الوحيد للبدن الكل اي ام بي جي ام بي كيفاش نتخلى على الفونكسيون هذيا معناها انت اللي ما توبويست يخف معناها ما عادش نبعث دونك تقعد شاد بالله كيما قلت لهم وقت كنت ساخس جاتني فكره اذا تاخذ هذوما الزوز عليك حاجه واحده تقول الله اكبر شاهد وانتهت سيكتي انتهت الامور Il y a un autre rapport. Rapport avec qui? Avec la veine cave inférieure. Donc la veine cave inférieure bouge directement via qui? Les veines suscitatives. Donc s'il y a une influence qui va être transmise au foie, c'est via les veines caves inférieures. Via, pardon, les veines suscitatives. Donc, puisqu'il y a un rapport entre le vainqueur inférieur via les veines sympathiques, je ne vais pas arriver à ce que nous avons une surcharge au niveau de la vainqueur. Donc, le foie, si l'âme est dessert, il subit quoi? Une hypertension, une surcharge volumique au niveau de la vainqueur. Ça, on va le voir où? Dans ce qu'on appelle quoi? Buccal, c'est la thrombose. On va le voir dans tout ce qui est CPC, tout ce qui est cœur pulmonaire chronique. Donc, le cœur pulmonaire chronique, quand il est mettre à un cœur gauche, ou quand il est isolé. Mais le premier mouvement, ce qui est appris à lui, il y a toujours quelque chose qui n'échappe jamais, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Il y a une HTAP. Qui va créer une hypoxie. Cette hypoxie, face à cette hypoxie, pendant la systole et pendant l'éjection, le VD va se trouver dans une dépression élevée. Et je peux badra, il va lâcher face à cette HTAP. Lorsqu'il lâche, il y aura un bruit de l'hypoxie. On est ici, pendant les diastoles, le volume vasculaire, le volume sanguin des oreillettes ne vont pas se vider, l'oreillette droite. Donc surcharge dans les 24 sup et 1. Sup, t'as trop le reflux, ce qu'on appelle hépato-jugulé. Ou le 1. Bêche, t'as trop, pachti. L'hépato-mégalie à la khatra, bat. À susipatique. Ou le dème à la khatra, le dème de quoi? Les deux membranes à la khatra qui abattent à l'échoul à les deux veines iliaques qui sont drainées par la veine cave. Les deux veines iliaques des deux membres, donc il n'y aura plus de retour. D'où les œdèmes des membres inférieurs synonymes d'une insuffisance cardiaque droite. Donc, au membre droit, ou l'akhir, ou la relation avec qui? Avec le canal biliaire. Le cholédoque via le pancréas. Donc, un rapport, le foie, ma canalier, ou un rapport, n'est autre que le cholédoque, le canal hépatique, qui s'occupe ici, qui est le cholédoque, on a fait des roues, mais ils sont beaux, dans le D2, qui forme le pancréas, et dans toute pathologie, le cholédoque, du canal hépatique. Surtout, ce sont des pathologies de jusqu'au ganglionnaire, extrinsées, de jusqu'au cholangiocarcinome. Ou à la fin de la c'est la pathologie lithiasique. Ou il y a une pathologie de la tête du pancréas.
هكا ولا في كل هذا لو فوا كومون دي لي لانفلونس دي سانفلونس يؤثر ويتاثر واضح دونك ينجم هو مريض ياثر وهذا اترافير لابين بورت ينجم مسكين لابين معناته كونكرياتيت يحزق على كوريدور ويدفع الضريبه ما عمل شيء كور دروا ويدفع الضريبه.